Nicolas Logereau-Lasserre et je suis un des cofondateurs de Futuart, centre d'art urbain qui est derrière nous, et j'assure la direction artistique. Et nous avions envie d'un lieu permanent pour ce mouvement, un lieu dédié véritablement, un lieu qui permette aux artistes de ce mouvement du monde entier de venir monter des expositions. Nous avions envie de démarrer avec une artiste majeure de ce mouvement et c'est Soon, cette artiste américaine, Soon. C'est une artiste formidable, on était très heureux aussi que ce soit une femme parce que dans ce milieu, comme dans beaucoup de milieux, il y a 90% d'hommes, donc on est très fiers d'avoir démarré avec une artiste femme. On dit même que Paris est probablement la capitale mondiale de ce mouvement. Pourquoi ? Parce que depuis une vingtaine d'années et même 30 ans avec le graffiti, il y a une pratique ici très répandue, très très forte. Aussi une certaine tolérance des autorités, des municipalités, pour autoriser cette pratique, en tout cas pour la tolérer dans une certaine forme. Donc beaucoup d'artistes se sont développés et aussi le développement d'un marché assez considérable. 60 galeries dédiées à Paris, au street art, c'est vraiment énorme. Et aussi une quinzaine de ventes aux enchères chaque année. C'est tout à fait exceptionnel dans le monde. C'est très bien, c'est très vivant. Ça rend le musée, les expositions beaucoup plus vivantes. Aussi bien par le mouvement, par la proximité de la scène. Et puis c'est beaucoup plus naturel qu'une exposition où tout est bien cadré dans un bâtiment. Alors la péniche c'était très sympa parce qu'il y avait certaines œuvres qui tenaient par des fils et avec les mouvements du bateau ça mettait en mouvement les œuvres, donc c'était assez sympathique et ça permet aussi d'avoir des œuvres éphémères différentes qui étaient assez sympas.